On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit notre photographe et globe-trotter de 80 ans adoré, Paul Laforêt, qui est privé de voyage et privé de sortie, quoique là, maintenant, il peut regagner la rue. On discute avec lui dans quelques instants pour voir comment le confinement s'est fait. Mais d'abord, parlons de la réouverture des écoles à compter de lundi prochain à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Plusieurs commissions scolaires au Québec actuellement s'affairent à préparer le retour à l'école, tout dépendamment du calendrier. Dans le cas de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, c'est ce lundi 11 mai. À cet effet, on rejoint la directrice générale de la Commission scolaire, Dominique Lachapelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, on s'était parlé il y a quelques semaines parce qu'on savait que ça allait arriver un jour. On y est maintenant. Le gouvernement avait dit d'ailleurs au moment de l'annonce que ça prendrait au moins 2 semaines pour s'y préparer avec certaines restrictions. Bref, de quelle façon d'abord avez-vous accueilli l'annonce de la réouverture en prévision du lundi 11 mai? C'est certain que nous, là, par rapport à l'ensemble de nos familles, on considère que l'endroit où un enfant, là, certains enfants là, sont le plus en sécurité, c'est à l'école. Donc, on a accueilli ça avec... on était satisfaits de ça. Par contre, on était très conscients, puis on l'est toujours, puis on est en train de le faire présentement à la complexité de cette tâche-là. C'est une tâche qui est complexe parce qu'il faut savoir que tout le personnel ne revient pas au travail. Présentement, on a 78 % de notre personnel qui est de retour au travail, soit en présentiel ou en télétravail. On a une partie là-dedans qui est en train d'être analysée. Donc, on a des règles, puis on savait que les règles ça arrivait là, de distanciation sociale aussi. Là. Donc, c'est un enseignant, un titulaire par 15 élèves. Ouais. Quand ils vont au service de garde, c'est 10 élèves. Donc, c'est quand même vous imaginez là, qu'on manque d'espace dans certaines écoles primaires. Donc, on va avoir besoin des écoles secondaires. Donc, ça veut dire aussi qu'on va avoir besoin du personnel du secondaire qui, eux, là, ont l'obligation aussi de s'assurer que les enfants, les élèves du secondaire poursuivent leurs apprentissages. Bon, mais justement, puisque vous parlez du secondaire, dans quelle mesure les enseignants du secondaire viennent-ils prêter main forte à leurs collègues du primaire? Parce que, comme le dit le ministre Roberge, les profs de secondaire, ils travaillent encore, ils sont encore payés, vous l'avez dit, ils doivent encore faire le lien avec leurs élèves, mais comment peuvent-ils aider leurs collègues du primaire? Que les écoles secondaires, et puis je souligne le travail extraordinaire des écoles secondaires qui sont en appui ou à leurs collègues du primaire cette semaine et puis depuis longtemps, là, mais c'est vraiment là, de façon exceptionnelle dans cette période de pandémie-là. Ce que les directions de secondaire ont fait, c'est qu'on fait des regroupements. Donc, on a des enseignants qui présentement s'assurent de suivre les élèves du secondaire, puis d'autres qu'on a dégagés pour pouvoir donner un coup de main aux primaires. Et présentement, ce sont les directions là, du secondaire qui affectent là, les ressources aux primaires. Et s'il en manque encore, bien, nous, on ira à ce moment-là dans d'autres... essayer d'en trouver ailleurs. Bon, vous avez fait mention là, du fameux ratio de 15 élèves par classe. Les parents avaient d'ailleurs, je pense, que jusqu'à une certaine date là, pour signifier le retour ou non de leurs enfants. Ce matin, avant de préparer l'entrevue, je voyais différentes statistiques là, des commissions scolaires qui étaient à 48, 50, 52 %, puis ça dépend des régions. Du côté des Hautes-Rivières, est-ce que vous avez déjà une pas pire idée du nombre d'élèves dans vos écoles? Nous, là, à chaque jour, ça change. Là, après l'annonce du ministre, on avait là, presque une grosse, grosse quantité de parents là, qui souhaitaient que les enfants reviennent à l'école. Par la suite, bien entendu, là, quand ils ont vu le ratio 1-15, puis que peut-être que leur enfant ne serait pas avec leur titulaire, donc c'est sûr qu'il y a des parents qui attendent aussi comment ça va fonctionner, puis que des parents disent « mon enfant ne sera pas avec son titulaire, je préfère le garder à la maison ». Présentement, là, au dernier chiffre qu'on a, là, en date d'aujourd'hui, on est aux alentours de 50 %. OK. Mais ça ressemble pas mal à ça dans plusieurs commissions scolaires, à tout le monde en périphérie de Montréal. Je ne sais pas comment c'est à Rimouski, au Saguenay ou en Abitibi, mais dans la région immédiate de Montréal, on est pas mal dans un 50 % un peu partout. C'est à peu près comme ça un peu partout pour le moment. Il faut savoir que le parent, là, il pourrait changer d'idée. Il pourrait soit retirer son enfant... ou soit décider qu'à un moment donné, son enfant peut fréquenter l'école. Donc, ça aussi, c'est toute une dynamique là, importante. On sait que certains parents disent qu'on va regarder comment c'est organisé la première semaine. Après ça, là, on va appeler pour pouvoir inscrire notre enfant. Mais à 50 % d'élèves au primaire, est-ce qu'on est capable d'avoir des classes de 15 ou si même à la limite, il y a un petit peu trop d'élèves pour être capable d'avoir du 15?
Dans certains milieux, là, on va devoir utiliser les locaux du secondaire. C'est, ah, ouais. C'est exactement, c'est comme ça. En ce moment, c'est ce qu'on est en train de regarder, excusez, là, ouais. Ce qu'on est en train de regarder, à essayer là, de trouver de l'espace là, au niveau là, du secondaire pour les 5e et 6e années. Nous, chez nous, là, 5e, 6e année, là, c'est cette clientèle-là qu'on va envoyer dans les locaux du secondaire. Là, lundi, là, les enfants vont arriver. Puis c'est quoi le protocole? Ils vont se laver les mains? On va leur expliquer qu'il faut garder la distance? On va dîner en classe? Il n'y aura pas de récréation? Pas de cours d'éducation physique? C'est quoi? Ça va ressembler à ça? Donc, l'élève va suivre toute la journée le même groupe. Donc, toujours être dans le même espace, la même classe, toujours le même groupe. Quand le service de garde là, va commencer, mais il va se retrouver dans un groupe de service de garde avec les mêmes individus qu'il a rencontrés le matin au service de garde. Et à chaque déplacement d'élève, il y a du lavage des mains. Il y a bien entendu des règles d'hygiène par rapport au nettoyage des bureaux. Les concierges, là, vraiment, on est en train de les former présentement pour qu'ils puissent davantage être vigilants par rapport à tous les nettoyages à chaque fois qu'il y a des déplacements. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que l'élève et même le personnel doit garder là, son même espace et éviter là, de se promener. Il y a les locaux d'éducation physique sont fermés, les bibliothèques sont fermées. Ils peuvent aller jouer dehors, mais c'est toujours avec la même règle là, de distanciation sociale. Bon. Donc, c'est vraiment très, très minuté et très encadré. Qu'en est-il des mesures de sécurité ou de protection pour les enseignants? Je sais qu'il y a eu tout un débat public là, sur l'histoire des masques et tout ça. Dans votre cas, à vous, est-ce que le syndicat local a fait des demandes en ce sens? Est-ce que vous fournissez certains équipements aux professeurs pour se protéger ou c'est eux-mêmes qui doivent le faire? Comment ça marche? Nous, là, c'est sûr que depuis le début, on avait en tête là, de fournir là, des équipements à nos enseignants, à nos professionnels, à nos TES, pour parce que les enfants, là, quelquefois, ils ont le goût de faire un câlin, puis la pandémie, ils l'oublient parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu leur enseignant et tout ça. Donc, on fournit à nos enseignants là, des masques lavables. Ils vont arriver bientôt. On a vraiment commandé ça. Ah, c'est très difficile, la livraison, je vais vous dire ça. Et on fournit, pour certaines clientèles, on va fournir des visières également. Bien entendu, il y aura des gants qui pourront être disponibles. On a tout aussi des protocoles par rapport à si un élève a des symptômes grippaux et tout ça. Donc, on suit l'ensemble des mesures là, que la santé publique nous a données, puis la CNES aussi, là, qui ont préparé là, toutes sortes d'affiches et tout ça là, pour être sûr qu'on contrôle bien l'environnement. Mais nous, notre personnel, là, on le protège également. Bon. Pour revenir, je veux qu'on revienne au secondaire, parce que je comprends que les écoles secondaires demeurent fermées là, jusqu'à la fin des classes, mais le lien entre les enseignants et les élèves, il se fait comment en ce moment? Je comprends qu'il n'y a pas d'examen du ministère en tant que tel, mais bref, c'est quoi le lien de communication qui demeure en ce moment au niveau du secondaire? Le lien de communication, il est avec l'enseignant. Plusieurs de ces enseignants, d'ailleurs, pour un élève secondaire, communiquent avec lui, soit par Teams ou par Zoom, là, pour donner là, des petits moments là, de contenu, prendre des nouvelles. On a aussi tous nos professionnels dans les écoles qui régulièrement appellent les élèves pour savoir si tout va bien. Donc, il y a quand même toute une structure d'accompagnement de nos élèves du secondaire, et ça depuis presque le début de la pandémie. Donc, ce n'est pas nouveau de cette semaine-là. C'est comme ça depuis presque le début. Là. Mais est-ce qu'il y a quand même de la matière académique qui est donnée ou des devoirs ou des travaux? Il y a de la matière académique qui est donnée. On s'entend que les devoirs prennent une autre forme, mais il y a de la matière de données. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que les élèves continuent à que le cerveau continue à fonctionner là, donc et en préparation là, de l'année prochaine là, qui s'en vient à grands pas également. Bon, et dans le fond, les enseignants ont pour mission quoi d'évaluer les jeunes secondaires sur le deux tiers de l'année et dans le fond le bulletin que les parents vont recevoir fin juin, ça va être ça en gros? Oui, l'enseignant là va utiliser son jugement. Il va avoir conservé des traces aussi de des échanges avec ses élèves. Okay. Puis il va utiliser son jugement pour donner la note. Petite pensée pour les élèves de sixième année qui s'en vont au secondaire ou ceux de secondaire 5 qui s'en vont au cégep. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour ces deux clientèles-là qui vont vivre une transition d'établissement l'an prochain? C'est certain, là, dans tous les travaux qu'on aura à faire là, d'ici la fin de l'année, c'est de réfléchir à cette transition-là. Je sais que le collégial là, se prépare également à recevoir des élèves au cégep, mais il va falloir réfléchir puis
sécuriser là, ce transfert-là là, d'élèves là, dans, au niveau des collèges. Là. Ça, c'est essentiel. À mon avis, ils commencent à y penser. Puis nous autres, la façon dont on accompagne nos finissants, là, il est certain que c'est dans notre pensée là, puis dans nos stratégies. Bon, dernière question, parce que quand il y a eu les annonces sur la réouverture du primaire, mais pas le secondaire, le collégial puis l'université continuent avec du télétravail et tout ça. Certains ont pensé que la formation professionnelle était un peu la grande oubliée de ces annonces-là. Là, expliquez-nous, parce qu'en principe, la formation professionnelle, ça relève un peu des écoles secondaires, donc des commissions scolaires. Mais la formation professionnelle peut-elle continuer ou non dans le contexte actuel? Oui, la formation professionnelle peut continuer avec les règles là, de distanciation sociale, avec des règles bien précises quand il y a des compétences à terminer en atelier. Donc, on est en train là, vraiment de mettre en place plein de structures pour permettre à des élèves qui avaient débuté des compétences puissent les terminer. Il y a dans certains programmes que ça va être possible. Dans d'autres programmes, ça va être plus difficile. Et même en formation générale adulte, présentement, on fait de la formation en ligne, mais ils vont pouvoir venir faire leur examen. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir les sanctionner là, pour qu'ils puissent aller au cégep par la suite. C'est ça, parce que dans certains cas, pour ceux qui s'en vont sur le marché du travail tout de suite après la formation professionnelle, certains craignaient, disons, d'avoir un retard ou même forcément une perte de revenus, parce que si on pensait finir au mois de juin puis avoir un job au mois de septembre, bien là, est-ce qu'on est retardé ou si, ultimement, on va quand même avoir notre diplôme d'études professionnelles? Ça ne pourra pas être avec tous les élèves, là, certainement, puis tous les programmes, mais on va faire notre possible pour ça, là, c'est certain. Mais tous les programmes, on ne pourra pas, avec le temps qui nous reste, là, pouvoir le faire. Dominique Lachapelle, merci beaucoup. Bonne chance pour lundi. Merci. Bye-bye. Restez avec nous, puisque retour, on reçoit un photographe et globe-trotter de 80 ans qui vit le confinement en ce moment. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Sam. Cette crise de la COVID-19 a touché beaucoup les personnes un peu plus âgées, oui, principalement dans les CHSLD, mais même dans les résidences privées pour aînés, où on a imposé un confinement, interdit de visite. Bref, c'était un peu compliqué. On comprend que le gouvernement a assoupli les directives pas plus tard que mardi dernier. Mais moi, j'avais le goût d'entendre notre photographe et globe-trotter adoré du haut de ses 80 ans, Paul Laforêt, nous parler de son confinement. Paul, bonjour, bienvenue. Ça me fait plaisir, Éric Tatou, surtout que ça fait longtemps qu'on s'est vu, qu'on s'est parlé. Bon, mais là, dis-moi, parce que tout juste avant la pandémie, Paul, tu étais encore en voyage. Moi, je suis parti le 12 février, je suis rentré le 12 mars et le 13, vendredi 13 d'ailleurs, j'allais faire mon épicerie et c'est la dernière fois que je sortais. Mon auto qui a été remplie de gasoline au début février, le réservoir est encore plein. Et je n'ai pas mis les pieds dans mon auto depuis ce temps-là parce qu'ici, les autos ne sortent pas du garage. Hein. Bon. Et là, dis-moi, tu étais où en voyage exactement là, du 12 février au 12 mars? Bon, deux temps importants. Sur 30 jours, j'ai fait 5 jours à Saint-Pétersbourg et 20 jours au lac Baïkal en Sibérie. Et honnêtement, là, d'ailleurs, je n'ai pas maigri 10 livres pour rien. Ouais. En Sibérie,
Si j'avais recommencé, je ferais ça avec le plus grand plaisir. Mais au moment où tu as quitté le pays, le 12 février, il y avait déjà quand même, la pandémie s'installait. En fait, on était plus dans une épidémie qui émanait notamment des pays d'Asie. Est-ce qu'en embarquant dans l'avion le 12 février, tu savais quand même qu'il y avait un contexte mondial particulier à l'égard de ce virus? Absolument pas. Ah non? Non. Moi, quand j'ai quitté Moscou, je vais te conter un petit fait, par contre, à Moscou, que j'ai vécu. J'étais là juste deux nuits, une journée. OK? C'est sur la fin, je reviens. Et dans la journée, il y a une boutique de vêtements italienne à côté, qui fait partie de l'ensemble de mon hôtel, en face de la Place Rouge. Je vais à la porte pour... J'ai déjà acheté une chemise, là, en 2018. Alors, je voulais retourner voir. Et il y a un homme qui m'avertit, c'était défendu d'entrer. Et là, j'avais compris que j'étais dans une boutique italienne okay. et que déjà, on commençait à imposer certaines restrictions. Sauf que moi, quand j'arrive à Saint-Pétersbourg, j'apprends que la frontière de la Russie est fermée à la Chine. Alors, à ce moment-là, au lac Baïkal, par exemple, quand j'arrive là-bas, il n'y a aucun Chinois, comme j'en avais vu, par exemple, en 2018. Ouais. Il y avait quelques Asiatiques, mais il n'y avait pas beaucoup de touristes. Ouais. C'est ce qui fait que dans les salles à dîner, à l'île d'Holcon, par exemple, que je ferai, où je passerai la majorité de mon temps, c'était différent de ce que j'avais vécu en été 2018. Mais durant ce 30 jours-là là, de voyage, j'imagine que de jour en jour ou de semaine en semaine, tu suivais quand même un peu l'actualité et tu sentais que la crise s'en venait, pas du tout? Bon, je vais être honnête avec toi, là. J'étais tellement absorbé au lac Baïkal, parce que je voyais, je devais d'abord me coucher tôt. Il y a trois matins, je me suis levé à 5 heures pour aller faire la photo assis dans la glace. Alors, ouais. J'écrivais à ma fille, entre autres, à qui j'ai parlé hier. Je lui écrivais régulièrement et parfois, je répondais à certains courriels. Le reste de la vie, là, n'existait pas pour moi. Mais ça, c'est très clair. À quel moment as-tu pris conscience que ça s'en venait compliqué, que ton retour au pays était prévu le 12 mars, là, dans les jours qui ont précédé, disons, là, ton retour? Il n'y a jamais eu de problème, sauf que rendu à Moscou, j'ai appris qu'il y avait quelques cas à Moscou. Là, je suis le 12 mars. On se comprend? Alors, il y avait déjà des cas à Moscou, mais rien qui a empêché quoi que ce soit sur mon départ de l'aéroport. Rendu à Paris, il n'y a absolument rien eu. Aucun problème nulle part. Sauf que dans ma journée libre à Moscou, moi, j'étais très fatigué et j'ai lu sur ce qui se passait au Québec. Alors, je savais dans quoi je rentrais à mon retour. Okay. C'est ce qui fait que j'ai passé 14 jours de confinement à l'appartement, sauf pour aller marcher dehors trois fois par jour. Ces 14 jours-là, je ne pouvais pas sortir dans la bâtisse où je suis. Ouais. Bon, tout le monde sait que je demeure à Cité des Tours, là. Et après ça, le confinement s'est continué, mais pas de la même façon. Au moins, je pouvais parler avec du monde à l'occasion. Ouais. Sauf que dans ton cas, évidemment, comme tu revenais de voyage, le confinement n'a pas été si pire dans la mesure où ça t'a permis de travailler sur tes photos et sur tes textes et tout ça. Bref, tu ne t'es pas ennuyé là, dans les deux derniers mois. Ennuyé. Es-tu certain? Non, je pense pas. Éric Latour, écoute-moi bien. Je suis revenu avec 5000 photos. OK? J'ai monté 26 dossiers photographiques au départ. J'ai recadré entre 1300 et 1400 photos. J'en ai conservé aux environs de 1000. Pour les 26 dossiers. Ce matin, j'ai terminé le 25e texte. J'en ai 26 à faire. La semaine prochaine, les amis de la photo, d'ailleurs, dont tu fais partie, vous allez entendre parler de mes deux derniers mois parce que je n'ai vécu que pour la Sibérie. Le confinement, là, ça a été comme inexistant dans ma vie. La privation de sortie pour toi n'a pas été si terrible?
Comment? Je veux dire, le fait d'être privé ou d'être interdit de sortir de la bâtisse, dans ton cas, à toi, ça n'a pas été si pire. Bon, il y a eu des inconvénients. Exemple, l'épicerie. Ouais. Bon, mais ça n'a pas été difficile. Au début, il fallait s'adapter, commander, tout ça. D'ailleurs, écoute, Éric, ça fait 40 ans que je demeure à Saint-Jean. C'est la première fois que je faisais cuire un œuf chez moi. Est-ce que l'œuf était mangeable? Très, très bon, avec des petits oignons dessus. Mais dis-moi, parce qu'évidemment, Paul, ça fait longtemps qu'on se connaît, tu voyages beaucoup, tu as vu énormément de pays dans ta vie, tu as des heures d'avion à ton actif. Quel est le regard un peu plus idéologique, philosophique que tu poses sur la crise qu'on vit en ce moment, sur ce qui va rester? Parce que tu sais, tu es le genre de personne qui a toujours 2-3 voyages en préparation, 2-3 années d'avance. Là, j'imagine qu'à court terme, tu ne peux pas voyager. Là. Bon, j'en avais un prévu en juin. La compagnie de bateaux qui fait le tour de Terre-Neuve a annulé son année 2020. Ouais. Même celui que je devrais faire pour le Pôle Nord en 2021, j'ai un doute sérieux. Bon, maintenant, j'en avais 5 de prévu en avant. Là, si je dois changer ma formule, je vais la changer. Par exemple, je vais te donner un exemple de ce que j'entends dans l'avenir le plus proche au Québec. Je suis allé 21 fois aux îles de Mégan, mais il faut que je retourne faire du numérique là-bas et faire une tournée semblable à ce que j'ai fait avec ma fille dans les années 90, où j'ai vu beaucoup plus que la norme. Et ça prendra le temps que ça prendra là-bas. Et je vais raconter le Québec si je ne peux pas faire autre chose. Mais moi, je n'ai pas démissionné. Là. Absolument pas. Sauf que je vais être obligé de vivre avec la vie qu'on a. Tu sais, je peux pas. Si je ne peux pas prendre l'avion pendant un an et demi, bien, je vais me débrouiller autrement. D'ailleurs, j'ai encore 75 chroniques à écrire pour le Canada français. Je viens d'en faire 25. Mais est-ce que ça t'énerve? Est-ce que ça te fâche? Est-ce que ça te met en colère? Est-ce que tu es triste? Je veux dire, c'est quoi le sentiment que tu ressens de par le fait que tu ne feras peut-être pas de voyage à l'étranger pendant 6 mois, un an et demi, peut-être même 2 ans, on ne connaît pas l'avenir? Ça va te surprendre. Tout ce que tu viens d'énumérer comme sentiment, je n'ai pas ça. OK. Pourquoi? Parce que je vais te répéter une chose que je dis souvent ici dans la bâtisse. Ce qu'on ne peut pas changer, il faut l'accepter. Or, dépendamment de ton degré d'acceptation, tu vas vivre mieux ou moins bien. Moi, je vais repartir. J'ai fait de la Gaspésie au moins 25 fois, mais je te garantis que je vais la refaire, mais en numérique à ma façon. Je vais retourner aux îles de Mégan, je vais retourner en Anticosti. Il faut que j'aille sur la basse côte nord. Je vais la faire par la route en passant par Goose Bay Labrador. J'ai tout ça en tête. Je vais raconter autrement, mais je ne resterai pas assis sur mon fauteuil. Ça, c'est très clair. Okay. Et selon toi, est-ce que tu vas reprendre l'avion un jour? Et si oui, dans quelles conditions? Comment tu veux que je réponde à ça? Et l'avion, je suis persuadé que je vais reprendre l'avion. Dans quelles conditions? Ça, c'est une bonne question. Il y a une chose qui est claire. C'est que j'ai fait dernièrement plusieurs voyages en classe affaires. La classe affaires n'est pas traitée de la même façon sur l'avion. La preuve, c'est mon dernier voyage. J'ai fait 9 avions, mais j'en ai seulement 4 en classe affaires. Le reste, c'était dans le public régulier. Bien, j'ai fait du petit avion, 20 passagers, là, au lac Baïkal cet hiver. OK? Je viens de me payer un trip. Mon cher Éric, j'espère qu'on va se revoir en septembre pour en parler. Prépare-toi. Je vais t'aider à te préparer maintenant. Parce que je vais t'en donner pour ton argent. Maintenant, il y a une chose que je veux faire. Avant qu'on cesse, parce qu'en fait, peut-être, là. Oui, il nous reste 30 secondes, Paul. Comment? 30 secondes. Je veux remercier Nadia, la récréologue de ma bâtisse, qui m'a prêté son laptop, parce que, tu sais, ma caméra sur le mien ne fonctionnait pas hier. Et je veux quand même
remercier le personnel aussi dans la bâtisse à la Cité des Tours. Ouais. Eux aussi vivent le dérangement. Mm-hmm. D'ailleurs, dans la société, là, j'ai dit à maintes reprises ici, on est tous touchés. Fait que tout le monde connaît du désagrément. On n'est pas les seuls. Mm. Évidemment, les vieux se sont fait traiter de toutes les façons depuis un bon bout de temps. Là. J'ai même répondu à une cousine il y a quelque temps que je trouvais sur Facebook très sévère pour les vieux. Je lui ai répondu poliment parce que je fais attention à ce que j'écris. Mais les vieux ont le droit de vivre. Écoute bien, là. Tout le monde va mourir un jour. Fait qu'aussi bien mourir content que de mourir tout croche n'importe comment, puis surtout étouffé par le système. Paul Laforêt, merci infiniment sur ces paroles de sage. Donc, c'est bien dit. On va en retenir, évidemment, la leçon. Et au plaisir, effectivement, de se voir en septembre, en vrai, mais peut-être à 2 mètres de distance. Ah, sûrement. Écoute, ça m'a fait plaisir, Éric Latour, et à la prochaine. Salut. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Bravo à la famille Archambault, Rona Iberville, un don de 1 000 à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu. Donc, malgré la pandémie, et ça, il faut y penser, il y a beaucoup d'œuvres caritatives. La philanthropie, disons, mange tout un coup. Très peu d'événements sociaux qui, normalement, ramenaient des sous. Donc, il faut penser aux organismes du milieu, notamment Société Alzheimer. Donc, bravo, Rona. N'oubliez pas, dimanche, hein, c'est la reprise du Télébingo, dimanche 9h30 en direct. Il y a toujours 4 000 en prix et il y a une trentaine de dépositaires qui sont déjà là pour vous vendre des livrets. À lundi. Bye-bye.